évidemment, comme vous avez deviné, je me présente, excuse, Yann à l'étranger et Franco aussi, Franco Kirin et Yann Navamaria à l'étranger, Rajesh absent pour une fonction familiale. Donc, vous avez deviné qui le premier point qui m'a pu évoquer, c'est augmentation prix diesel et l'essence. Et Liban qui finit là une dénonciation, une condamnation unanime de sa augmentation prix diesel et l'essence. Et en vérité, sa augmentation-là passe très très mal dans le pays. Évidemment qu'il nous pouvons voter la motion de Xavier Duval, ce motion of disallowance, quand il pouvait venir. Mais on met au défi le gouvernement, Pravin Jagnat, ce gouvernement, on met au défi permettre un free vote, quand on prend un vote de sa motion of disallowance. Parce que ce qui m'attendait, ce qui m'a deviné, mais ce qui m'attendait aussi, c'est que parmi les députés, MSM et même certains ministres, sa augmentation prix diesel, l'essence, passe très mal, pas seulement dans le pays, mais parmi les autres même. Et d'après moi, c'est un free vote, gouvernement minorité. Donc, on met au défi, Pravin Jagnat en tant que Premier ministre, on met au défi gouvernement, permettre un free vote, laisse la motion of disallowance de Xavier Duval vienne devant le Parlement. Ce qui explique dans une large mesure ça l'indignation, ça la colère dans le public en général, c'est ce qui est arrivé en 2015 et depuis. Du bon rappel qu'en 2015, les temps prix mondial crash complètement, dégringolé complètement, au lieu passe au moins une partie de ça avant le consommateur. Le tunnel Raidou qui est ministre des Finances, gouvernement soi-disant les peuples, multiplié par 4 une taxe qui est design par litre d'essence et diesel pour le Build Mauritius Fund. C'est-à-dire pas ça, 4 roupies. Ça 4 roupies, là, il reste dans la gauze la population en général, et il explique dans une large mesure sa indignation, sa la colère qui nous trouvait là. Mais il y a aussi le refus de la transparence. Systématiquement, l'État se fanait dans l'affaire Betamax. L'État qui se déroulait dans l'Aisne. Vous êtes bien galopant des autres à droite, à gauche, acheter ben produits pétroliers, à droite, à gauche, road fret, à droite, à gauche. Mais tout cela coûte casse, ça. Et voilà-t-il pas quand Reza Youtim et d'autres députés posent question dans le Parlement? Non. Secret d'État, pas gagné droit de dire non, rien. Mais naturellement, il passe très très mal dans le public en général. Et nous ne finissons l'effet boule de neige, l'effet cascade, l'effet boule de neige, il est déjà là, et il y a un effet considérable dans les jours et les semaines à venir. Même l'électricité, nous trouvons Colin Davelou, il mentionne. L'État une pose une question, il n'est pas démenti. Il dit les scènes floues, si pas pour une augmentation de tarifs d'électricité ou non. En tous les cas, il y a une question de Alain, une question parlementaire, une PQ de Alain Ganou au Parlement mardi prochain. Moi, j'espérais qu'il nous arrive jusqu'à ces questions et qu'il nous gagne, nous trouve clair et dissipé en ce qui concerne une éventuelle augmentation ou non de tarifs d'électricité. En tout cas, c'est un bouleversement à travers le pays. Sa augmentation là passe très très mal dans le pays. Et nous devons faire bien attention sur l'effet cascade, sur l'effet boule de neige à partir de maintenant. Deuxième point, Gilo, je dénonce la lâcheté de Ivan Colin Davelou. Au Parlement, le 8 mai, c'est une question de Alain Ganou, avec raison, lors d'Ilo Bagatelle d'âme, non traité qui peut mélanger avec d'Ilo CWA pour une région de
Plaine William, surtout, Beaubassin, Rosil. Une affaire bien importante. Quand soit il faut rassurer Dimoun, soit livré pour prendre mesure. Ça joue là, il est sauvé, il refuse de répondre. Mais dans l'intervalle, c'est WIA, il vient confirmer. Ça m'a gaffé autrement. Dans l'intervalle, c'est WIA, il vient confirmer, surtout dans le week-end de dimanche dernier, il vient confirmer qu'Alan gagne parfaitement raison. Et Ivan Colendou, soit il ne pas me connaît, soit avec lâcheté, l'in sauvé pour lui pas répondre. Et là, ça coule là, toujours la lâcheté du gouvernement de Ivan Colendou. Lui, ça coule là, CWA permet lui rendre public si à qui l'augmentation qu'il y peut proposer, mais qui gouvernement supposé peut refuser approuver. Mais quand il trouve sa qualité de gouvernement là, il y a un ministre responsable qui dit pour augmenter, CWAPCG même, les gouvernements bougent fixe, si à qui ça dans le public, ça c'est même là, rendre public, ben, le nouveau tarif qui CWA peut proposer. Le but est clair, le but c'est faire pression, leur gouvernement, c'est force la main, gouvernement fait pression, leur gouvernement. Mais si à toi, après augmentation prix diesel, l'essence, il faut donner un conseil au gouvernement, faire bien attention, là sa question augmentation prix Zilo, là. Dans un moment pareil, surtout dans un moment comme ça, ça cadeau de 15 millions de roupies qui gouvernement une fera d'ayal pour lui fermer sur la bouche, pour lui pas démissionner, provoquant une élection partielle éventuellement, pour lui fermer sur la bouche, un cadeau de 15 millions de roupies à d'ayal, mais vraiment population rasée. Nous tournons les oreilles pour t'enlever. Vraiment, population enrasée. Quand ça vient dans sa contexte, augmentation diesel, l'essence, peut menacer augmentation d'ilo, peut menacer l'augmentation l'électricité. Et c'est dans un moment comme ça que le gouvernement vient de l'avant avec un cadeau totalement injustifié, un cadeau de 15 millions de roupies à Dayal, qui nous comparait, qui nous condamnait complètement, le plus vigoureusement possible, nous condamne sa cadeau de 15 millions à Dayal. Organ transplant, moi éclaircir un point, parce que beaucoup de gens ont un coup de téléphone, de gens qui ne font pas une cause, etc. Ben, on nous rappelle une procédure parlementaire, quand il y a une la loi, Et quand le leader de l'opposition prend la parole, l'os à la loi là, il n'est pas causé tout la loi, mais quand un leader de l'opposition prend la parole, loin de la loi, il gagne priorité. C'est pas une standing orders parlement, c'est la pratique parlementaire. Donc, l'étant le ministre de la Santé, il présente ça la loi, l'organ donation and transplant là, Dival, il prend la parole, mais il est normal qu'il y cause immédiatement après le ministre. Ah, c'est la pratique parlementaire, c'est aussi qui alterne. Quand un dimoun de l'opposition est causé, un dimoun de gouvernement causé, après un dimoun de l'opposition. Alors là, étant donné leader de l'opposition, ministre est causé, leader de l'opposition est causé, mais c'est un dimoun du gouvernement qui move for adjournment, donc qui vous cause en premier mardi, et ensuite vous prend la parole. Un débat extrêmement important, mais qui m'a souhaité, et moi va rédiger ça mardi, m'a souhaité qu'il nous dépolitise sa question-là complètement. Le ministre, il souhaite ça, l'étant il présente la loi-là, et moi aussi, moi pour révéler l'eau-là, l'étant, moi prendre la parole mardi. Dernier point pour aujourd'hui, c'est élection comité central. Comment je te connais, vous dites la date hier plutôt, c'est la date limite. Et donc aujourd'hui, le bureau politique t'a l'air, et le comité central cet après-midi, pour finaliser la liste. Mon cas, il y a toujours qu'il y a un candidat, moi, tout ça bien, bien extraordinaire. Il y a plusieurs candidats de chacune des 20 circonscriptions. Plusieurs candidats, il y a une circonscription qui a 6 candidats, il y a une circonscription qui a 4, mais tout
les 20 circonscriptions, tous les 20 comités régionaux finissent produire une bonne candidature. Il y en a 10 mounes de tous les 20 qui ne produisent. Il y en a un bon nombre de madames aussi. Le nombre de madame. Donc, moi, vite, j'ai nous, comité central, pour joindre à 1h30. Moi, par quoi nous parle trop long. Mais moi, vite, j'ai donc, nous vous circule la liste de bonnes candidates et candidats immédiatement après qu'il s'est la liste. Ça va finir approuvé par nous, comité central. Deux remarques. Après ben, dérapage de Steve Obigado et compagnie hier, premièrement, il aurait demandé un renvoi du vote pour un nouveau comité central. Encore une mémoire courte, ou bien la tête perlée. Je rappelle que le comité central du 5 mai tient même un vote. Je te propose un renvoi. Le comité central de l'Assemblée des délégués, c'est nous l'instance suprême. Je te propose ce jour-là un renvoi de sa élection-là. Il y en a un vote. J'ai 5 qui m'ont dit un vote pour le renvoi. Obigadou, Françoise Dabel et 3 des autres. 5 en tout le 80 membres qui nous comité central pour le moment était en attendant qu'il y ait renouvelé. Donc je parais n'est plus comprenant rien, n'est plus. À cela, il m'a trouvé un article qui me paraît grand matin, par contre, dans l'Express, selon lequel mon envoyé un émissaire, Laura Obigado et compagnie. M'a démenti catégoriquement. Parce que pour moi, enough is enough. Je me dis ça l'autre jour, je répète, enough is enough. Steve Obigado, surtout, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ito à MMM depuis. Dernière élection générale. On bien mange beaucoup, on bien reste tranquille. Mais il fait à nous beaucoup d'ito. Il bien empêche nous relève la tête après l'alliance avec Navin Ramoulam. Nous disons une loi aujourd'hui. Des potes une lourde responsabilité. Et c'est pourquoi moi je dis un neuf, ils un neuf. Ce qui m'a souhaité, moi, c'est un nouveau départ dans la sérénité retrouvée. Avec une nouvelle équipe élue par l'Assemblée déléguée du 24 juin. Et je me sentis, moi, je me trouvais, moi, qui tout péal dans sa direction. Je me réjouis ce qu'il me souhaitait, moi. Je ne m'a pas envoyé aucun émissaire, je n'ai pas envie de perdre des temps. NFIZ9, ce qu'il me souhaitait, je me réjouis, c'est un nouveau départ dans la sérénité retrouvée avec une nouvelle équipe élue par l'Assemblée déléguée du 24 juin. Comme vous le connaissez, le 24 juin, l'Assemblée déléguée pour élire le comité central, et ensuite le comité central pour élire le bureau politique, etc. Bon, là, nous, en pleine élection, on va aller prejudge de bon résultat, mais je vais tenir à réagir après la conférence de presse de Steve Obigado et compagnie. Bon, pour moi, c'est déjà une chose du passé. Hein. C'est déjà une page tournée. Nous, aujourd'hui, dans nos comités centrales, dans nous, l'Assemblée des délégués de 24, nous pouvons être ahead, nous, et nous les prenons un nouveau départ. Merci. Depuis 2014, Steve Obigado empêche le même relevé. Absolument. Et est-ce qu'aujourd'hui, un jour, est-ce que le même pensé, il finit relevé de ça? Non. Non. Malheureusement, non, parce que lié à un poignet du monde, qui gagne beaucoup de main avec l'ennemi, pas bien sûr, avec l'ennemi, malheureusement, même dans certains journaux et dans certaines radios, beaucoup de main qui gagne. Et ça ne m'a pas étonné parce que ce n'est pas l'ennemi du MMM. Mais pour qu'il y ait du monde dans le mouvement, faire le jeu de nous, l'ennemi, comme ça, il a fusé la fois. Mais non, vous disiez connaître la côte nous était, il bloque nous pendant 3 ans, bien empêche nous relève la tête, et profite de sa boulevard qui m'a dit que vous êtes allé là. But now is the time. Naturellement, laisse-moi le vote dérouler, ma délégué a voté. Now is the time pour un nouveau départ. Vous pensez, mais même énorme.
tout pour prendre un nouveau départ, surtout dans la sérénité retrouvée. Assez ces affaires de casse-nous les dents, pour y la tête du monde, ça pour l'occasion. En attendant que vous rendez la liste officielle d'État, nous allons connaître combien de candidats non, et combien qui vont présenter pour la première fois. T'as l'air la personne, parce que commandant mon bégayer. Et là, 9. Et là, 9 tribunes qui font dire candidat hier tantôt. C'est ce droit, hein, hier, tu l'as la limite. Alors, tu dis, il y a de la liste, non, l'eau d'alphabet, c'est tout. 9 tribunes. C'est ce droit. Il y a ces comiques, enfin, comiques, non. Mais qui c'est qui montre le mari comique, moi? Si, parce qu'il est possible, tout à l'heure, le comité central, ou là, ou tel candidat, ou telle ou telle région, on remarque pas. Hein. Mais c'est qu'il est marié, c'est qu'il est à l'aide, moi, nous, gagne sa dernière candidature hier, il met l'autre, etc. Et bien, il arrive exactement même chiffre que trois hommes, c'est là. Moi, je vais dire ça, j'ai dit, pourquoi nous n'avons pas 103 candidats. 3 ans, c'est là qu'il y a 103 candidats. L'État a ajouté 109 qui ne portent candidats hier soir là. Il fait exactement même si. Bon, par contre, ça qui m'a souhaité, qui comité central, il veut dire, ouais, disqualifié. Et nous, les candidats, qui ne pas. Encore, nous pourrions rester là. Mais c'est à dire, moi, confiance, y compris le nombre de mandats. Combien qui peut représenter les communes? Ça ne l'a pas compté, vous dire fort. Combien de veux? Ça n'a pas compté. Et moi, pas pour le compter, pas pour le compter. Mais ça, l'eau 103, dit, oui, il y a checké un par un. Qui c'est un petit candidat, il y a 3 ans, qui c'est un. Mon collègue, il y a un bon nombre de nouvelles. Ça, est clair. Mais moi, pas de faire ça avec. Nous pas de faire ça avec l'exercice. Il faut la faire, disons. Et là, l'ancien, il parle de candidat. Oui. Oui, pas de. Non, encore possible, le plan. Ça aussi, moi pas croire, hein. Encore tout le monde, moi pas croire, mais ça aussi, moi pas bien checké, mais moi pas croire qu'il y en a, à part Oligado et compagnie, moi pas croire qu'il n'y a aucun dirigeant sur autant qui paye pour le candidat, autant que moi, autant que moi, je trouve tout le candidat. Good, any other point? Commission d'enquête, la présidente. Pas pressé, oui. Commission d'enquête, la présidente, nous trouvons normal ça. Ah, vous viens à l'agence. Vous êtes franc. On n'est pas causé aujourd'hui, moi, les causes, ça dans le bureau politique. Mais moi, franchement, mon mari mal à l'aise. Mon bien mal à l'aise avec une commission d'enquête composée de 3 sitting judges. 3 sitting judges. Pour faire une enquête, l'aurait ancien président de la République, nous d'accord, une fané, des pas fané. Mais 3, une commission d'enquête de 3 sitting judges, pour faire une enquête, l'aurait un ancien président de la République. Et pour venir faire une recommandation, l'aurait réforme constitutionnelle et politique. Mais qui c'est ça? Moi, bien, mal à l'aise. Bon. Nathan, pour qu'il s'approche, ils ont accepté, il faudrait qu'ils s'effusent aussi. Inaccepté. On prend ça aussi en considération, mais m'aurait dit à mon mari mal à l'aise, esquisser le rôle de 3 juges, du juge. 3 juges sitting judges pour faire un travail d'enquête d'un côté et pour faire une recommandation de réforme constitutionnelle et politique de l'autre. Bonne question. Tini, au moment-là, ça va être procès, oui, non. Oui, non. Seulement, il y a un peu de communiqué sur le site du ministère des Affaires étrangères, condamne un massacre palestinien. Pas une condamnée, qui est bien sûr un mot. Moi, je ne trouve pas communiqué là, franchement. Je ne trouve pas communiqué là, mais de toutes les façons, nous, le ministère des Affaires étrangères, nous sommes zombies voyageurs. Mais non, le ministère des Affaires étrangères. Et, bon, mon père n'a pas réussi tout communiquer là, mais mon quoi dans un de mon express de MU, à une news ou quoi, mon tout, mon mot qui n'est utilisé, mais pas de citoyen quoi.
Il n'y a pas de mémoire là, mais pas de mots. Le gouvernement mauricien est très préoccupé, je ne sais pas quelle connerie à la générale. Mais je ne vais pas bien dire non, il y a parce qu'il y en a 15 jours de cela. Moi, j'exprime une solidarité totale avec le peuple palestinien, fait massacrer les peuples palestiniens. Depuis combien de semaines là? Un pas, mais je ne peux pas vous dire, autant que vous ne pouvez. Ni un radio, ni un lagage. Pas une zizien pour autant, quand le MMM déclare sa solidarité totale avec le peuple palestinien quand il commence à massacrer les autres à Gaza. Évidemment, encore plus que 15 jours de cela, nous ne pouvons pas préoccuper si c'est de nous condamner. J'exprime une solidarité totale et nous condamne sa tuerie qui paye un arbre tous les jours. Je dis, vous la Cour suprême, mais comment on se pense à notre affaire alternative, résistance alternative pour. Oui, vous nous étiez jeudi, vous étiez jeudi. Je ne connais pas les. Je connais un petit mot de l'expression de Ramachitane. Je ne connais combien ça vite pour une encore. Je ne connais pas seulement ça vite pour terminer avant les clés de la Cour suprême, n'a guetté. Mais le gouvernement peut bâtir. Et moi, je connais qui dit pas comme ça. Tiens, la question, la bien qu'il c'était sur le cannabis, la même position pour les mêmes par rapport à l'implantation. Nous avons déjà dit, nous avons déjà proposition, l'Ogandia, dans notre occasion, ce n'est pas le genre de question qui répond off the cuff comme ça, il est certainement nous pour réunir l'eau là, surtout à la lumière. Provinciale, est extrêmement décevant et conservateur, et puis il y a son papa, non, pas qu'à pire. L'Oban Suzet, comme ça, pas qu'à pire qui a dit Boudjana. Mais un jeune, c'est sa qualité ligne. La question de Ganja, il est totalement conservateur, mal informé, extrêmement décevant. Donc on va revenir Lola en détail. Concernant l'ordre de l'ICAC sur l'affaire Sauvignon, après le Premier ministre, c'est impossible de vous faire ça dans la séance publique. On va y aller public. L'ICAC, qui était ça? L'ICAC, l'affaire Sauvignon. Non, non. L'affaire Sauvignon, on connaît l'ICAC, là, on peut exister, ça peut y en avoir. Justement, vous satisfaites. Nous ne pouvons pas prendre l'ICAC, nous ne pouvons pas au sérieux du tout. Du tout. C'est une soi-disant l'ICAC qui peut enquêter, finalement, un prétexte pour qu'il pénètre. Ça, oui, commission d'enquête, si vous avez là. C'est bien une foule commission d'enquête, toute l'affaire Sobrino et non le connaît, qui va le politicien, qui nous pèse casse, qui nous mêle à ça complètement. Ça non, ça fait la commission d'enquête, ça. Ça donne l'ICAC pour couvrir l'œuvre. Vous les mots pensent à vous sérieux, l'ICAC. Ok, thank you. Ah ben, rendez-vous pour moi qui est dans sa patience là, pour nous faire des réunions. Thank you, nous nous pouvons un petit bureau politique entre nous. Avec votre permission, on va mettre la faute. Vous finissez mon compte. Avec des manières. Ouais, t'as bien cru? Hein? Oui. Nous dire, politiquement pas là. Thank you.
Non, il y a quand même pas faim. Oui, bien. Toi, hein, tu regardes ça, c'est la gazette là. Hein? Tu as la gazette là? Non, pas moi. Non, moi, pas cette zone. Tu as l'idée de mettre des gazettes? Ouais, tiens, depuis 2014, c'était le cas qui empêche le même relevé. Absolument. Et est-ce qu'aujourd'hui, bah, un jour, est-ce que le même pensé, il finit relevé de ça? Non. Non. Malheureusement, non, parce que lié à un poignet du monde. Qui ne gagne beaucoup de main avec l'ennemi, pas bien sûr, avec l'ennemi, malheureusement, même dans certains journaux et dans certains radios. Beaucoup de main qui gagne. Ça ne m'a pas étonné parce que c'est pas l'ennemi du MM. Mais pour qu'il y ait des gens dans le mouvement, faire le jeu de nous, l'ennemi, comme ça, et refuser la foi. Mais non, vous disiez connaître là quand nous étions. Il bloque nous pendant 3 ans, bien, empêche nous relève la tête. Et profite de sa boulevard qui m'a dit causer, t'as l'air là. But now is the time. Naturellement, laisse-le vote dévouler. Un délégué à voter. Now is the time pour un nouveau départ. Vous pensez, mais même maintenant, tout pour prendre un nouveau départ, surtout dans la sérénité retrouvée. Assez ces affaires de casse-nous les dents, pour la tête du monde, ça nous casse. En attendant qu'on rende la liste officielle d'État, nous allons connaître combien de candidats et combien qui vont présenter pour la première fois. T'as l'air d'un des autres, parce que commandé mon bégayer. Et il y a 9. Il y a 9 tribunes qui ne font pas de candidat hier tantôt. C'est ce droit, hein, hier, tu l'as la limite. Alors, il y a une liste, la liste, en ordre alphabétique, tout. 9 timons. C'est ce droit. Il y a ces comiques, enfin, les comiques, non. Mais qui m'a trouvé mari comique, moi? Si, parce qu'il est possible, tout à l'heure, le comité central, ou là, ou tel candidat, ou telle ou telle région, on va voir quoi, hein. Mais c'est qu'il est marié, c'est qu'il est à l'aide. Moi, nous, gagne sa dernière candidature hier, il met l'autre, etc. Et bien, il arrive exactement même si qu'il y a 3 ans de Sénat. Moi, je me dis, ça, j'ai dit, mais pourquoi nous avons 103 candidats. 3 ans de Sénat, il y a 103 candidats. Il est dans une 109 qui ne porte candidat hier soir, là. Il fait exactement même si. Bon. Par contre, ça qui m'a souhaité, qui comité central, disqualifié un ou des candidats qui ne m'ont pas confié. Encore, nous pourrions rester là. Mais d'ailleurs, m'a confié entre lui, y compris le nombre de mandats. Combien qui peut représenter les communes? Ça n'a pas de compter, vous dire fort. Combien de peut? Ça n'a pas de compter, et moi, pas pour le compter, pas pour vous. Mais ça, au 103, dit, vous, il y a checké un par un, qui s'est un petit candidat, il y a 3 ans, qui s'est un. Mon collègue a un bon nombre de nouvelles. Ça est clair. Mais nous ne pouvons pas faire ça avec nous. Nous ne pouvons pas faire ça avec les justes. Il ne faut pas le faire, disons. Madame l'ancienne, qui parle de candidat. Oui. Oui, bonne qui. Non, encore est possible, le plan. Puis ça aussi, moi, pas quoi. Mon collègue, tout le monde. Mon pas quoi. Mais c'est aussi, mon pas bien checké, mais mon pas quoi, qui est dans. À part Obligado et compagnie, moi, pas encore, il n'y a aucun dirigeant sur autant qui paye pour le candidat. Autant que moi, autant que moi, je trouve tout une autre candidat. Good, any other point? Commission d'enquête, nous la présidente. Pas pressé, oui. Commission d'enquête, nous la présidente, nous trouvons normal ça. Ah, je vous viens à l'agence. Franchement, on n'est pas causé aujourd'hui, moi, les causes, ça dans le bureau politique. Mais moi, franchement, mon mari mal à l'aise. Mon bien mal à l'aise avec une commission d'enquête composée de 3 sitting judges. 3 sitting judges. Pour faire une enquête, l'aurait ancien président de la République. Nous d'accord, une fané, des pas fané. Mais une commission d'enquête de 3 sitting judges pour faire une enquête. Alors, un ancien président de la République. Et pour venir faire une recommandation, une réforme constitutionnelle et politique. Mais qui c'est ça? Moi, bien, mal à l'aise. Bon,
Attends, pour qu'ils s'approchent, ils allaient accepter, il faudrait qu'ils s'approchent aussi. Ils acceptaient. On prend ça aussi en considération. Mais m'aurait dit à mon mari, mal à l'aise, est-ce qu'il c'est le rôle de trois juges, du juge. Trois juges sitting judges pour faire un travail d'enquête d'un côté et pour faire une recommandation de réforme constitutionnelle et politique de l'autre. Bonne question. Tini, tini. Au moment là, ça va être prochaine. Oui, seulement, il y a une nouvelle communiquée sur le site de ministère des Affaires étrangères condamne un massacre palestinien qui a lieu. Pas condamné, il y a bien sûr un mot. Moi, je ne peux pas me trouver communiqué la France, moi. On va nous communiquer là, mais de toutes les façons, nous sommes des ministres d'affaires étrangères. Nous sommes des zombies. Des zombies voyageurs. Mais nous sommes ministres des affaires étrangères. Et bon, mon père, j'ai tout communiqué là, mais mon père, dans un de mes express de MU, à une news, quoi, mon tout, mon mot qui n'est utilisé, mais pas de citoyen, quoi. Il passe pas de mémoire là, mais pas de mots. Le gouvernement mauricien est très préoccupé, je sais pas qui connerie à la relation à Raïdou. Mais je ne vais pas me dire non, rien parce qu'il y en a 15 jours de cela. Moi, j'exprime une solidarité totale avec le peuple palestinien, puis massacrer les peuples palestiniens. Depuis combien de semaines là? Un pas, mais je ne peux pas vous dire, autant que vous ne pouvez. Ni une radio, ni une la gazette. Pas une zizien pour autant quand le MMM déclare sa solidarité totale avec le peuple palestinien quand il commence à massacrer les autres à Gaza. Évidemment, encore plus que 15 jours de cela, nous ne pouvons pas préoccuper ceci, c'est nous condamner. J'exprime une solidarité totale et nous condamne sa tuerie qui paye un tous les jours. Je dis, vous trouvez la Cour suprême, mais comment on se pense à notre affaire alternative, résistance alternative pour... Oui, sauf nous étions jeudi, nous étions jeudi. Je ne connaissais pas les... On connaît une période d'expression de Ramachitanen. On connaît combien de sapines pour énorme, quoi. On ne connaissait pas seulement de sapines pour terminer avant lesquelles la Cour suprême n'a été. Mais le gouvernement peut bâtir. Et moi, tu connais qui dit pas le comme ça. Tiens, une question, la bien qui c'était sur le cannabis, la même position pour les mêmes par rapport aux dépendances. Nous avons déjà dit, nous avons déjà pris position, l'Ogandia, dans notre occasion, c'est pas le genre de question qui répond off the cuff comme ça, il est certainement pour réunir l'eau là, surtout à la lumière. Provinciaux, il est extrêmement décevant et conservateur. Et puis, il y a qui sont papa. Non, pas carapi. L'homme s'usait comme ça, pas carapi, qui a dit Ounjana. Mais un jeune, c'est sa qualité. La question de Ganja, il est totalement conservateur, mal informé, extrêmement décevant. Donc, on va revenir là en détail. Concernant l'enquête du CAC sur l'affaire Sourire, par le premier ministre, c'est possible de vous faire ça dans la séance publique. Vous voyez l'année publique. L'ICAC qui était là. L'ICAC, l'affaire Sourire. Non. L'affaire Sourire, on connaît l'ICAC là, on peut exister, ça peut y en avoir. Justement, vous satisfaites. Nous ne pouvons pas prendre l'ICAC, nous ne pouvons pas au sérieux du tout. Du tout. C'est une soi-disant l'ICAC qui a enquêté, finalement, un prétexte pour qu'il pénètre. Ça, oui, commission d'enquête, si vous avez là. C'est bien une full commission d'enquête pour toute l'affaire Sobrino et non le connaît. Qui va le politicien qui nous baisse casse, qui nous mêle à ça complètement. Ça non, ça fait la commission d'enquête ça. Ça donne l'ICAC pour cover up. Vous les mots prendre ça aussi, l'ICAC. Ok, thank you. Ah ben, rendez-vous pour moi qui est dans sa patience là. Vous allez aller des élus.